Bienvenue dans le dernier numéro de l'épisode 1 de Challenge Model, première émission de compétition des mannequins africains sur Fashion Africa TV. Au thème de ce challenge, c'est le Bénin qui sort gagnant avec le mannequin Atima Beaumerveille et vient à sa suite le Burkinabé Walbiogo Samuel. Mais qui est Merveille Atima Beau, gagnant de l'épisode 1 de Challenge Model de Teka Promo Mode sur Fashion Africa TV? Du haut de ses 1m75, Atima Beausoussoune Merveille est mannequin podium et mannequin photo de nationalité béninoise. Il fit une rencontre plutôt simple avec le mannequinat et depuis lors, il ne cesse de forcer l'admiration par la qualité de son travail. Après un cursus scolaire dans les départements du Zou et des Collines, Merveille entame un parcours étudiantin en physique chimie en 2017. Un parcours auquel le mannequin va mettre fin après 2 ans d'expérience. Inspiré par la vie et la carrière de Dimo Ossou, le célèbre acteur hollywoodien, Merveille nourrissait le rêve de faire du cinéma. Bien que celui-ci soit un adepte de la sapologie et de la bonne combinaison des couleurs, ce n'est qu'à l'université que Merveille découvre pour la première fois le mannequinat. En effet, c'était lors de défilés de mode organisés par l'Union culturelle et artistique des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi qu'il voit des mannequins défiler. Une passion subite naît ainsi pour la chose. Cette passion pour le mannequinat a été plus tard renforcée par le fait que Merveille eut entendre que ce métier pouvait le rapprocher de son rêve de devenir acteur de cinéma. Ainsi, en 1 an, le mannequin a participé avec succès à 4 différents événements. Merveille Soussouni a été nommée First Mode Day Benin en 2021 et deuxième Top Model Tradi 2021. Son nouveau sacre en tant que meilleur modèle du challenge épisode 1 est la preuve même qu'avec la passion, le travail acharné et la persévérance, l'on peut accomplir des rêves comme il aime si bien le dire. À côté de son rêve d'acteur, Merveille ambitionne de représenter de grandes marques de vêtements et de défiler sur de grands podiums africains et intercontinentaux. En dehors du mannequinat, Merveille est passionné de musique, de photographie et de networking. Il s'investit également parallèlement dans les crypto-monnaies, dans le community management, parce que conscient de l'influence du numérique dans son secteur d'activité. Optimiste, opportuniste, tels sont les adjectifs qui définissent au mieux le disciple de Dimo Ossou. Focus maintenant sur Walbiogo Samuel, le mannequin burkinabé qui remporte la 2e place du Challenge Model épisode 1. Gradé d'un master en marketing et communication obtenu en 2021 à l'école supérieure du commerce du Burkina Faso, Walbiogo Wendrab Sogam Samuel alias Oncle Sam est un mannequin de bagage intellectuel non négligeable. Il vient en tête des votes à la suite du Béninois Merveille qui a remporté la première place dans le concours Challenge Model organisé par Take Off Promo Mode en partenariat avec la chaîne de télé internationale Fashion Africa TV. Depuis son enfance, Oncle Sam a développé une passion pour la mode. Cependant, c'est au cours d'un séjour en Côte d'Ivoire que le déclic pour le mannequinat va se produire. Et depuis lors, malgré toutes ses multiples occupations, le mannequin ne quittera plus jamais l'été. Fidèle au programme de la chaîne de la mode africaine Fashion Africa TV, Samuel a su, au-delà de suivre des émissions, développer sa passion. Ainsi, avec son profil de mannequin photo, mannequin pub, acteur, il a su se valoriser à travers de nombreux castings et même en participant à la réalisation d'un film au Burkina Faso, son pays d'origine. En effet, Samuel a participé au casting de Fashion Live, de Sipao, de Machine d'Or et de bien d'autres. Il a également coopéré en tant qu'acteur, inspecteur adjoint dans un film burkinabé, Mon Héros, du producteur Nibé Nkiema. Il a par ailleurs posé sur l'affiche publicitaire de la compétition de Gentleman Burkina Faso et a été candidat à la compétition Mister Africa Burkina. Nonobstant le fait qu'il n'ait pas encore eu de distinction dans sa carrière, elle n'en demeure pas moins attrayante. Mieux, Oncle Sam travaille dur pour la réalisation de ses ambitions. Lesquelles ambitions sont de révolutionner le domaine de la mode ainsi que le mannequinat en donnant une autre couleur au milieu tant dans son pays qu'en Afrique et bien au-delà.
L'objectif étant de mieux valoriser la culture africaine à travers les différentes œuvres qui naîtront du mannequin à travers la planète. Walburgo Wendram Solgam Samuel souhaite vivement laisser une histoire au monde, celle digne d'un Burkinabé et surtout pour glorifier le nom de Dieu. Il a également pour ambition d'être le meilleur, de redorer l'image de la mode afin de se faire connaître par un grand public. Au nombre de ses ambitions figure la volonté de devenir propriétaire d'un empire de la mode et de la communication. À cet effet, le jeune mannequin ne cesse de travailler de sorte à être une image et un modèle pour la jeunesse. Il faut noter également que le mannequin tire sa passion et son inspiration de plusieurs sources, dont ses parents et également le grand mannequin Tyson Beckford et Mathieu Terry, ainsi que le meilleur mannequin de Burkina Faso, Rock P. Sergo. La carrière de l'homme qui n'a pas de limite, comme il aime bien se faire appeler, se résume en une seule phrase. Elle est magnifique. Ils étaient 30 à prendre part à cette compétition et seulement 2 ont pu sortir la tête de l'eau de ce challenge. Voici un petit résumé des 28 autres restants. Plus d'une centaine d'inscriptions déjà enregistrées pour le second épisode. Prenez le rendez-vous très prochainement sur Fashion Africa TV. Pour plus d'informations, contactez-nous sur le +229 64 26 86 10. C'était Challenge Model sur Fashion Africa TV. À bientôt.